le désastre. Et qu'il n'y a pas en général de noms séparés, nominal, prédominant, à tomber comme en arrêt hors langage, sans cependant cesser de lui appartenir. Nous amène celle à ne rien attendre du cosmique. Le cosmique, ça reste la manière dont le sacré, se voilant comme transcendance, voudrait se faire immanent. La tentation donc de se fondre. Flamme de la noirceur.
la chair. Sa semence sonore. Et par lumière, je n'entends pas quelque chose qui est en physique. La lumière d'un tube ou d'un tuyau. Pour désigner le trou qui est dedans, mais plutôt l'âme de vie qu'il y a dans les choses. C'est la matière soufflée, esprit du souffle dans le vibrant trou. Dans l'homme transpercé, visible, visible, visible de part en part. Troué par sa parole de dedans, boutique, phénocyparliste ou parleur carnassier. Tout acteur sait ça, tout acteur sait ça. Disait Louis de Funès. Est plus grand que celui qui fit le monde, car il mit la matière dedans. C'est lui qui apporta le vide dans la matière, entre ses dents. Elle venait. Dispersant les chemins. Déplié dans le vent. Une rose trémière, très pâle, s'est hissée dans le soleil. La terre maintenue debout par de longues transfusions de nuit. Et dans la nuit vulvaire, l'œuvre de souffle et de sang et de souffle et de sang. Lumière foliée de bleus assassins et des beiges, des beiges, des beiges, des beiges, des bronzes. Et tu ne comprends pas. Et tu ne comprends pas. Apportant sa fraîcheur menacée, sa tiédeur de nuit. Toi, blanche, sévérité somptueuse. Tourbillon compact, lentement dégrafé, sans renoncer à ta rigueur première. Cœur ouvert de la règle. Toi, blanche, toi, blanche, toi, blanche. Non seulement le lien d'homme à homme vient à se renouer, mais la nature aliénée, hostile ou asservie, célèbre de nouveau sa réconciliation avec son fils perdu. L'homme, le char de Dionysos, se couvre de guirlandes et de fleurs. On y appelle la panthère et le tigre. Transformé en tableau l'hymne à la joie de Beethoven. Par le chant et la danse, l'homme manifeste son appartenance à une communauté supérieure. Il a désappris de marcher et parler, et dansant, il est sur le point de s'envoler dans les airs. Ses gestes disent son ensorcellement. Que les animaux maintenant parlent. De même, résonne en lui quelque chose de surnaturel. Il se sent Dieu. Il circule lui-même, extasié, soulevé, ainsi qu'il a vu dans ses rêves marcher les dieux. L'homme n'est plus artiste. Il est devenu œuvre d'art. Il est devenu œuvre d'art. Ce qui se révèle ici, dans le tressaillement de l'ivresse et en vue de la suprême volupté et de l'apaisement de l'un originaire, c'est la puissance artiste de la nature tout entière. Ce qui est pétri ou sculpté, c'est l'argile la plus noble